Balou nous a rejoint, mais il est plus déprimé que d'habitude. Frérot, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu une lox, poteau. Le deuil. C'est celle-ci, là. Ouais, je l'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le froid. J'avais pas mis la crème, je crois. C'est... Normalement, on est grisaillé, mais moi, je perds des lox. Il est moins smile que d'habitude. Mais une petite leçon d'anglais aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, on va apprendre l'argot quinri. Donc, je l'avais déjà fait une première fois. Là, ça va être la partie 2. Attends, est-ce qu'il y a déjà des gens forts en argot quinri ici? Bon. Il connaît que l'argot de la langue qu'on parle à Prague. C'est ça, l'argot tchèque. Tu connais des insultes en tchèque déjà ou pas? Quelques-unes, ouais. Disons une, on va pas la traduire. Juste pour voir, on veut voir ton accent tchèque. Kurva. Okay. Kurva, ah, je connais. Et ça, franchement, ça n'a pas l'air très gentil. Il n'y a plus de respect. Si on dit ça déjà, il n'y a plus de respect. Voilà, kurva. Bon, on va commencer par la salutation. Bon, ça, c'est simple. Hein. Il y a les what's popping, what's good. Il y a aussi What's Chris. What's Chris, ça vient de Los Angeles. Chris, ça veut dire le style, etc. What's Chris? Ouais, What's Chris. Ça a été lancé par les Reject. Les Reject, c'est un groupe de LA qui faisait le Cat Daddy à l'époque, là, le Cat Daddy, la danse, là, etc. Il y a Pull Up, cette expression, tout le monde la connaît. Pour vous, Pull Up, ça signifie quoi? Ben, Pull Up, remets. Voilà, remets. Okay. Hop. Ça veut dire remets. Le son. Mais chez les Kerry, ça peut être utilisé pour dire viens de tape. Genre, si je veux m'embrouiller. Ah ouais. Je dois jouer Pull Up. Pull Up, tu vois, genre, viens, tu vois. Tu veux vraiment qu'on se tape là? Dadju, vrai. Et ça peut vouloir dire aussi venir. Et bien sûr, dans la culture reggae dancehall, Pull Up, c'est quand le DJ te remet le son. Selecta Pull Up. Voilà, il le remet au début. Bon, vu que là, il y a deux beaux gosses, j'ai choisi aussi des trucs pour parler aux femmes, tu vois. Genre, bon, il y a Daddy, Shaoli, Bay et Hubby. Daddy, c'est plus les meufs, tu vois. Genre, c'est dans les situations un peu chaudes, tu vois. Tu dis, call me daddy, tu vois. Elle t'appelle daddy, elle t'appelle papa, etc. Quand il faut séduire. On va trop loin dans ton intimité, là. Rocaille est dépité par ce qui se passe, là. Okay, elle va partir, Rocaille. Elle dit qu'il faut séduire. Il y a Shaoli, ça veut dire, c'est un diminutif de Shorty, c'est petite fille. Bon, c'est pour appeler, voilà, Shaoli. Il y a Bay. Mais Shaoli, c'est. Attention, pas de connotation chelou. Shaoli, c'est mignon, tu vois. C'est mignon, c'est Shaoli, très mignon. Dis, hey, Shaoli, tu vois. Il y a Bay. Et il y a Hubby. Mais ce qui est marrant avec Bay et Hubby, c'est que c'est aussi utilisé par des mecs comme Young Thug pour appeler leurs potes. Est-ce que toi, tu verrais, ou toi, verrais appeler tes potes bébé, tu vois? Ça va. Non, mais Rio sur le terrain, il est là. Hey, Bay, passe la palpée, vas-y. Yes, après, Hubby, bon. Hubby, je connaissais pas. Hubby, voilà, ouais. Bah, maintenant tu peux l'utiliser. Il y a LOL, je vais le dire en français, LOL, L-M-A-O, S-M-H et IDK, c'est des abréviations un peu. SMS. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, apprends-moi s'il te plaît, c'est quoi LMAO? À chaque fois je le vois, je sais pas. C'est-à-dire laugh my ass off, ça veut dire je rigole à fond, c'est genre tu gueuleries, tu vois. D'accord, ok. Et SMH? SMH, ça veut dire shake my head. Voilà, shake my head. Attends, je croyais que c'était des nouveaux rappeurs français. MHD, SMH, SMH, les gars. Et IDK, ça veut dire I don't know, c'est vraiment pour utiliser les abréviations. Wavy Elite, qui signifie quelque chose qui est lourd. Genre Wavy, ça veut dire en gros, c'est la vague, tu vois, pour dire que c'est la lourd. Vibe. Ça a été popularisé par Max B. L'album de Dadju. Voilà, exactement. Dadju. Aussi. It's lit. It's lit. Et lit, bah, vous le connaissez, Travis Scott, il l'utilise de ouf. Ouais. Ça veut dire allumé, ça veut dire it's lit. C'est ses adlibs à lui, it's lit. C'est vraiment chaud. Et on finit avec ça. Est-ce que vous avez trouvé que ma chronique était lit? Ah ouais, mais évidemment. Elle était courbe. Ah ben voilà, elle était courbe. Non, ouais, on peut dire que tu as dit allumé. Lit, c'est allumé. On pense à allumer le feu. Évidemment. Et vous savez que, évidemment, Johnny Hallyday, grande figure de la musique et de la culture populaire française, s'est éteint la semaine dernière. Et quand on a enregistré l'émission... Eh bien, en fait, on a enregistré l'émission avant son décès et elle a été diffusée après, ce qui fait qu'on n'a pas pu lui rendre hommage directement. Évidemment, on a pensé très, très fort à lui. Beaucoup d'artistes lui ont rendu hommage, Omar Sy, Thomas N. Gijol, Passy sur les réseaux sociaux. Et évidemment, on était tout cœur avec sa famille pour cet hommage national.